Alors bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver avec vous, d'être avec vous pour les prédictions de la semaine. Ça faisait quand même un petit moment que je n'en avais pas fait. Je suis bien content, on a réussi à récupérer vendredi le PC de Virginie. Donc ça nous a permis, enfin ça nous permettra de refaire des Malgré la lives. conjoncture, c'est vrai que c'est pas Oula, évident, c'est quoi ça? c'est. Ah non, non, parce que j'ai un retour son là, c'est... Ça va bientôt faire un mois que j'ai pas fait de live, voilà, bon, bah, bref. Avant de faire... voilà, je suis heureux de vous retrouver. Vous nous avez énormément manqué, hein, je le cache pas. Avant de commencer à faire les prédictions de la semaine, je voudrais peut-être mettre un petit peu les choses à plat parce que c'est vrai qu'on a demandé de l'aide pour pouvoir aider à réparer les PC. Et on a eu des petits messages franchement très 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 désagréables, vous devez vous en douter. Alors donc, il y en a un, c'est... je vais dire les noms, hein, parce que moi, maintenant, j'ai pu me gêner. Christophe Camille et puis Silbou, qui me critiquent ouvertement parce que je suis considéré comme travailleur handicapé. J'ai le statut de travailleur handicapé. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis aveugle d'un œil depuis ma naissance. Mais il faut savoir que je suis reconnu travailleur handicapé que depuis 2000... 2014 ou 2015. Voilà. J'ai toujours travaillé, etc., etc., jusqu'en 2011. J'ai travaillé jusqu'en 2011. J'ai commencé à 14 ans et demi à travailler en tant que pré-apprenti boulanger. J'ai jamais arrêté de travailler. Donc, mademoiselle Silbou, avant de dire que dans mon CV, il y a des trous, on se renseigne d'abord. Voilà. Déjà pour commencer. Deuxièmement, toujours Silbou, faut savoir que ma chaîne est monétisée depuis tout le monde, depuis le début, c'est-à-dire depuis 2012, et que les gens le savent très bien que cette chaîne est monétisée. Je l'ai déjà fait voir et j'ai même fait voir combien j'ai gagné depuis le début. Mais avant de me critiquer parce que je gagne 100 euros tous les 2 mois, grosso modo, va voir, par exemple, va critiquer Squeezie qui a 15 millions 300 000 abonnés et qui gagne par mois environ 48 800 euros. Va voir Norman qui a 12 millions 200 000 abonnés qui gagne 16 900, pratiquement 16, 17 000 euros. Cyprien qui gagne pratiquement 15 000 euros par mois. La salle qui gagne 12 200 euros par mois. Et Anas qui gagne grosso modo 11 392 euros par mois. Avant de me critiquer, moi, va voir ces personnes-là pour les critiquer. D'accord? Voilà. Surtout que voilà, par exemple, tu prends Anas ou c'est sur des jeux vidéo. Tu as la salle, c'est sur des jeux vidéo. Cyprien, c'est des vidéos différentes, etc., etc. Voilà. Donc, moi, je tiens compagnie aux gens. Je fais ça en direct. Eux, c'est des vidéos qu'ils font. En plus, le problème, c'est que eux, ces gens-là, font payer l'abonnement à leurs abonnés. C'est-à-dire que les abonnés, pour pouvoir voir les vidéos, doivent payer un abonnement. Ce que je ne fais pas moi. D'accord? Donc voilà, avant de critiquer les gens, on se renseigne. Et sinon, on se tait. Voilà, et je reste poli. Bon. Alors, ma petite femme, tu vas me diriger pour la webcam. Ah, non, non, tu me la mets pas, s'il te plaît. Voilà. Donc ça, c'est fait. Tu me diras. C'est bon. Allez, on va commencer. On va commencer par la France, hein, comme d'habitude. Donc maintenant que j'ai mis les choses à plat, hein, voilà, il y a pas tout seul. Alors oui, par contre, Marie Salary, c'est pareil, hein, ça serait bien que tu nous oublies.
parce que c'est pas la première fois que tu nous critiques ouvertement. Donc voilà. Moi, j'essaie de faire comme je peux. Hein, et c'est tout. Bon, on va commencer par la France. Alors, Nadia, Stéphane, Yakari, Edouard, Myriam, le 22. Donc j'ai 22 cartes, hein, c'est la dernière. Hein, on va pas chercher midi 14h. Nous avons le magicien en droit. Suzanne, Ludo, pardon. Marino, le 11. 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La force, oula. Martine, Pascal, Cédric, Dominique, le 7. La tour en droit. Ouh, ça s'annonce pas bon, ça. Ça va péter. Daniel, Claudie, le 6. Le soleil en droit. Émilie, Daniel, Caroline, le 5. Le pendu en droit. Émilie, Jenny, le 9. 9. Le grand prêtre. En droit. J'en suis où là? Huguette Delphine, le 17. 17. Le fou en droit. Tiens, c'est quelqu'un qui s'en va, ça. Jacqueline, Bastien, Pierre-André, notre matou national, le 15. La justice envers. Et pour finir, Patrick et Jean-Pierre, le 8. 7 et 8. Et nous avons les amoureux. En droit. Voilà. Pour moi, qu'est-ce que ça signifie? C'est vrai qu'en ce moment, même moi, personnellement, je ne le cache pas, même Nini, hein, on est dans une situation, on va dire, d'incertitude. On est tous en train de. C'est surtout partout en France. Hein, on est en train de se poser des questions. On est en train de. On est dans une incertitude énorme. On a des doutes, on ne sait plus vraiment où aller, ni quoi faire. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident en ce moment, mais bon voilà, c'est comme ça. Et on peut rien faire. Donc moi je vois qu'il va y avoir de la violence. Ça va, moi j'ai l'impression que ça va bientôt péter en France. Il y a quelqu'un qui part. Par rapport à l'injustice qu'il y a à l'heure actuelle en France, entre le couvre-feu, le ceci, le cela, enfin bref, avec beaucoup, beaucoup de, on va dire, de questions, il y a beaucoup de personnes qui se posent énormément de questions. Le problème, c'est que là, il va y avoir quelque chose qui va être assez fort et il y a malheureusement destruction. On en est toujours au même point, destruction. Et il y a un homme, moi je vois un homme, c'est-à-dire par rapport au magicien, qui va déclencher la chose, qui va déclencher des choses et qui va faire qu'il y aura beaucoup de violence en France. Comme je dis, et je le répète, et je le dirai encore malheureusement, on a cette guerre civile qui nous pend au nez. Ce matin, Nini a téléphoné à son papa comme d'habitude, comme tous les matins. Et son père lui a dit textuellement au téléphone, tout ce qu'il lui a dit, même lui, il lui a dit, hein, pourtant il est à la retraite, il a dit, mais de toute façon, ça sent la guerre civile.
parce qu'il y a des militaires qui en parlent en plus. Voilà. Et donc, le truc, il est là. C'est qu'on va avoir cette guerre civile qui nous pend au nez. On va avoir cette guerre entre, c'est bête à dire, mais entre étrangers et français. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. C'est vrai que quand on regarde bien ce qui se passe en France, entre les réfugiés, etc., etc., là, vous avez une policière la semaine dernière qui s'est fait tuer par une personne, un étranger qui était qui était irrégulièrement en France. Elle a été régularisée il y a pas long, il a été régularisé il y a pas longtemps. Mais voilà, il s'est fait abattre. C'est pas la première fois que ça arrive. Malheureusement, c'est pas la dernière fois que ça va arriver. Il va y avoir encore malheureusement des choses comme ça, où les gens qui vont mourir par des idéologies religieuses. Voilà. Donc voilà ce que, voilà où on en est, quoi. Donc là, ça va péter. Maintenant, c'est quand? Mais moi, je peux pas vous le dire. D'après mes cartes, ça serait d'ici l'été. On n'est pas loin, hein, de l'été, hein. Hein, on est au fin avril. Mais voilà, ça va. À un moment ou à un autre, de toute façon, ça va vraiment péter en France. Et moi, je vois le départ de quelqu'un. Politique. Un homme politique, je vois un homme politique partir. Je serais pas surpris. Je m'avance peut-être un petit peu dans ce que je dis, hein, mais je verrais bien Macron partir. Il commence déjà à avoir un peu, franchement, ras-le-bol, quoi, de la situation. Donc voilà. Ça, c'était pour la France, donc il n'y a plus qu'à voir. Hein, malheureusement, on a encore cette destruction, cette injustice qu'il y a en ce moment. Donc voilà. Ça, c'était pour la France. Prochain tirage, je vais le faire sur j'en sais rien. On va faire sur l'Europe. Donc, on rebouge la webcam. Merci, mon amour. Tu sais que je t'aime, toi. En deux mots, on s'aime. Voilà, surtout la merde. Bon. Allez, je mélange. Au lieu de dire des bêtises, ça change. Enfin, ça ne changera pas de ma part, hein, de dire des bêtises, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis né comme ça et faut voir le côté positif quand même des choses. Alors, une petite nouvelle qui vient de mettre la première fois son fif, Griselda. Bienvenue, Griselda. Et Lucie qui m'ont donné le 4. Et nous avons, ah tiens, le fou. En droit. Monique, Laurent, Christophe. Yann Coralie le 3. Le magicien en vert. Fabrice le 17. Tiens. Attends, attends. Hop. Ah mince. J'avais déjà le 17. Bon, bah tant pis. 17. Le diable en vert. Il n'y a pas de colère, tiens. Sylvie le 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le grand prêtre en droit. Ouh. Violette le 2. La roue en vert. Patrick le 12. Le soleil en droit. Billy Bob et Josette le 1. La mort en vert. Donc pour l'instant, au niveau de l'Europe, il n'y a pas de changement vraiment. Alors comme il me manque de cartes, eh ben, je vais appeler votre petite starlette qui va me donner deux cartes. Allez, vas-y. Donne-moi deux. Attends.
Déjà, donne deux cartes à papa. Ces deux-là? D'accord. Donc, une, le Seigneur, et puis la deuxième, la Lune. Alors, on remet la cam correctement. Tu fais coucou aux gens? Coucou tout le monde. Les gens. Les gens. Allez, pile. Allez, laisse papa faire. Donc, au niveau de l'Union européenne, qu'est-ce que je vois? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement. Il y a, mais il y a quelqu'un qui part. C'est marrant parce que moi, j'ai l'impression, j'ai ce sentiment, en voyant ces cartes-là, je ne serais pas surpris que le président de l'Union européenne arrête. Et justement que Macron démissionne de son poste pour espérer être président de l'Union européenne. J'en serais pas surpris. Et c'est ça qui me... Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de changement au niveau de... Pour l'instant, au niveau de l'Union européenne. Il y a malheureusement, et ça je le dis et je le répète, enfin malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Mais il y a effondrement de l'Union européenne. Ça, c'est clair. L'Union européenne telle qu'on le connaît pour l'instant, c'est-à-dire financière, je le vois s'écrouler. Avec, comme vous savez, avec malheureusement ce qui se passe dans le monde entier au niveau de la pandémie, hein, du Covid. Là, pour l'instant, les plus touchés pour l'instant, c'est l'Inde. Et qui c'est devenu une véritable catastrophe. Mais alors premier pays touché, États-Unis, dans les contaminations, hein, ce que ceux qui sont le plus contaminés, les États-Unis, l'Inde, le Brésil et la France. On est quatrième. Vous voyez? Ça paraît pas, mais c'est voilà. Et par contre, par rapport aux morts, c'est l'Inde qui est quatrième. Voilà, comme dit Nini, que j'avais pas tort, on en est à 3 millions 100 et quelques mille morts. 109 000 morts, vous voyez. J'avais dit qu'on allait dépasser la barre des 3 millions, ben voilà, on l'a dépassé malheureusement. On est arrivé en France, rien qu'en France, on est arrivé à la barre des 103 000 morts. Vous allez me dire qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais il y en a qui comptent les morts naturelles, du Covid, etc., etc. Non. Hein, c'est deux choses différentes. Pour l'instant, cette pandémie, passe au-dessus des autres maladies, malheureusement. Donc voilà. Donc il y a effondrement de l'Union européenne telle qu'on le connaît, pour l'instant, mais à long terme. Je sais que ça va arriver, mais quand? De toute façon, on va être franc, je vais être franc avec vous, hein. Il faut vraiment qu'on quitte l'Union européenne telle qu'on le connaît maintenant, parce que en France, c'est devenu la cata. Hein. C'est devenu une véritable catastrophe. Il faut savoir que tout le monde, chaque Français a une dette monumentale de 50 000 euros. Pour pouvoir rembourser la dette la dette de la France, pourrait qu'on verse chacun, chaque Français, même Bernard, même le nouveau-né, verse 50 000 euros pour qu'on puisse s'en sortir. On a vraiment un gros déficit. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire. J'ai pas grand-chose à dire sur l'Europe. Faut malheureusement que ça attende la suite des événements. Hein. Ça va se faire tout doucement, mais ça va se faire. Donc voilà. Donc je vais vous donner rendez-vous ce soir à partir de 21 h en live sur YouTube. On va reprendre nos vieilles habitudes. Hein. Bon, pour l'instant, le site, tant que je n'ai pas récupéré mon PC qui est en diagnostic depuis vendredi, depuis samedi. Je vais savoir ce qu'il a, un CM5 en sous-pneu.
J'attends que, en espérant que ça soit que la carte graphique, la carte mère, pardon. Par contre, là, c'est moins sûr pour moi, quoi. Il y a, on ne sait pas trop, mais bon, l'informaticien où j'ai emmené le PC était un petit peu très pessimiste. Sur ce, bah, je vous donne rendez-vous ce soir, 21h, sur YouTube, avec bien entendu ma chère amie, machin chose là. Bah oui, ça sera monétisé, hein, je suis désolé. Hein, mais c'est pas, comme je dis, c'est pas les 100 euros que je gagne une fois tous les 2 mois qui vont changer grand-chose dans ma vie. Voilà. Et pensez à moi aussi mercredi. J'ai rendez-vous avec le Cap Emploi pour justement faire le point avec elle et avec la personne et puis essayer d'avoir un travail. Je cherche toujours un travail malgré mes problèmes de santé. Et donc les mauvaises langues, avant de critiquer, ben renseignez-vous, hein, ça serait beaucoup mieux. Et puis arrêtez de vous faire des idées sur beaucoup de choses. Sur ce, bon courage à tous, bonne semaine à tous, pour ceux qui ne viendront pas sur YouTube ce soir, et à bientôt sur le site internet qui, on l'espère, va bientôt refonctionner, dès que j'aurai récupéré mon PC. Bisous tout le monde!